L'intelligence artificielle est une branche des sciences informatiques qui vise à concevoir des systèmes capables d'imiter certaines fonctions intellectuelles humaines. Les premières IA apparues dans les années 50 étaient basées sur le raisonnement symbolique, qui s'appuie sur le calcul brut et des règles qu'on peut expliciter. Puis l'IA évolue vers l'apprentissage automatique, ou machine learning, dans lequel les algorithmes apprennent par eux-mêmes, par essai-erreur. L'apprentissage automatique utilise en particulier les réseaux de neurones et depuis une dizaine d'années, l'apprentissage profond, qui s'appuie sur des machines toujours plus puissantes, permettant de déceler des liens dans des océans de données. Les récents succès populaires des IA génératives utilisent aussi des réseaux de neurones. Elles peuvent générer des images, des morceaux de musique ou même créer des textes. ChatGPT, par exemple, est capable de générer une réponse à une question posée, un exposé sur Karl Marx en 40 pages, une explication de la physique quantique en 3 lignes ou une dictée sur le mystère du pluriel des mots en « ou » pour une classe de CM1. L'intelligence artificielle pourrait sembler proposer des outils dépassant les capacités humaines. Mais elle reste hyper spécialisée, incapable de mener des tâches totalement différentes les unes des autres. On parle d'IA faible. L'IA forte reste pour le moment un fantasme que l'on retrouve uniquement dans la science-fiction. Pour s'en servir de manière responsable et améliorer notre quotidien, il est très important d'aborder les enjeux éthiques, sociaux et philosophiques liés à son utilisation.